La deuxième édition de Révèle-nous talents s'est déroulée ce vendredi 28 juin au musée de Villèle à Saint-Paul. Un événement organisé par le département pour promouvoir l'expression des jeunes sous plusieurs formes, comme le dessin, la danse ou encore le chant. Ce qui est proposé aux jeunes aujourd'hui, c'est de s'informer sur les dispositifs qui sont présents pour eux à La Réunion, avec nos différents partenaires, que ce soit la Sécurité sociale, le CRIJ, bien d'autres encore, mais également leur permettre de mettre en situation leurs talents avec des artistes ou avec, je dirais, des jeux, comme les jeux longtemps qu'on a juste derrière nous. Non, je vous laisse faire. Près d'un million de jeunes ont répondu présents au programme animation, atelier, jeux longtemps, roues causées et la scène ouverte où la jeunesse réunionnaise a pu s'exprimer. Je suis éducateur à la Scopade et du coup j'ai ramené un petit groupe de jeunes avec mon collègue pour faire découvrir aux jeunes un peu différents talents, leur donner des petites pistes et de la motivation. Ben, je chante. Oui, je chante comme ça. Quel style de chanson? Style love, zouk, tout ça. On a vu qu'il y avait pas mal d'initiations, donc on est venu essayer avec les enfants et puis regarder un petit peu aussi le concours, le spectacle. Alors, je dirais, elle chante bien et lui, un petit peu d'humour, un bon humour. Ben, je trouve mon talent, c'est dessiner. J'aime bien dessiner depuis toute petite et c'est venu naturellement. Des stands informatifs du département et de ses partenaires étaient sur place pour présenter les dispositifs dédiés aux jeunes. Les académies d'Allon sont présentes donc à cette manifestation. Les académies donc font partie de la direction de la jeunesse et des sports. Et on a pleinement effectivement notre jeunesse qu'on accompagne au sein de l'académie d'Allon. Ils sont pleins de talents, donc sont venus pour effectivement présenter le dispositif Académie d'Allon, enfin le projet Académie d'Allon, et également donc présenter leurs talents. Autre moment phare de l'événement, la signature par le président Cyril Melchior d'un contrat d'engagement avec les jeunes réunionnais. On ne peut pas parler des jeunes sans écouter les jeunes. Et c'est pour cela qu'au département, on a voulu mettre en place une façon de travailler qui associe les jeunes aux problématiques qui les concernent. Le jeune rencontre des difficultés, mais le jeune ne peut pas être en désespoir. C'est pour cela que nous les écoutons. Nous leur proposons de venir travailler avec nous. C'est une façon de travailler qui est participative. Et ces jeunes-là vont être nos référents dans la définition de nos politiques en faveur de toute la jeunesse réunionnaise. L'ambassadeur des droits des jeunes, en gros, j'assiste à des événements importants. J'aide aussi les jeunes comme moi en difficulté à trouver un chemin, les aider pour les donner un petit raccourci pour des papiers importants ou les dire de rejoindre des formations ou un travail. Les orienter. Ouais, les orienter. La deuxième édition de Révèle-nous talents s'est terminée en apothéose avec le concert de MC Box.